nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de comment surmonter la rupture, comment oublier son ex-copain ou copine. Voilà, je vais vous donner quelques conseils sur ça. Alors tout d'abord n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram si vous êtes intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, elle est nouvelle. Voilà, je vous fais de gros bisous et on commence tout de suite. Alors la première chose pour oublier son ex, ça serait d'arrêter d'y penser et se changer les idées, sortir, voir des amis, rencontrer du monde sans forcément faire des rencontres amoureuses et tomber dans une relation pansement. Après une rupture, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le temps surtout qui fera les choses. N'allez pas vous précipiter avec quelqu'un d'autre, ça serait que vous détruire encore plus et repenser au bon moment. Vous allez sûrement comparer vos deux relations, ce que cette personne faisait et que l'autre ne faisait pas, donc je vous conseille pas de vous remettre tout de suite en relation. Voilà, prenez du temps pour vous, c'est important. Le deuxième conseil que je peux vous donner pour surmonter votre rupture amoureuse, c'est déjà de supprimer les photos et souvenirs que vous avez avec cette personne. Si c'est réellement fini, autant tout supprimer, parce que quand vous allez retomber dessus, que ce soit par hasard ou vous allez avoir envie de regarder, vous allez repenser aux bons souvenirs, qu'ils soient bons ou mauvais, et c'est là où vous allez recraquer et sûrement le rappeler. Voilà. Le troisième conseil que je peux vous donner pour surmonter votre rupture amoureuse, c'est de ne pas aller fouiner ses réseaux sociaux. Souvent sur les réseaux sociaux, on montre toujours que tout est beau, tout est rose, et c'est pas tout le temps le cas, donc vous allez penser qu'il vit sa plus belle vie, vous allez être au plus mal, vous allez vous dire comment il fait pour être mieux dans sa vie pendant que moi je suis pas bien. Donc je vous conseille pas d'aller voir ses réseaux sociaux. Vous l'avez toujours en ami, supprimez-la. Comme ça vous penserez pas à retomber dessus. La quatrième chose que je peux vous conseiller, si vous n'êtes pas bien, que vous avez besoin de parler, allez parler à votre famille, à vos amis, à des personnes proches de vous qui savent vous écouter. Ça peut vous aider, vous libérer de vos émotions et vous sentir soutenu, c'est ce qui est important. N'hésitez pas, surtout si vous vous sentez seule, n'hésitez pas à aller voir du monde, à rencontrer des nouvelles personnes. Voilà. La cinquième astuce que je peux vous donner pour oublier votre ex, ça serait de faire des projets et des choses que vous n'avez pas fait avec votre ex. Par exemple, je sais pas, vous vouliez aller au cinéma entre copines et vous le faisiez plus parce que vous étiez tout le temps avec votre ex. Faites-le, ça vous changera les idées, ça vous fera penser à autre chose. Faites des projets qui vous tiennent à cœur, c'est important, ça vous occupera l'esprit. Allez boire un verre avec des amis, voyager, partez en vacances, même pour un week-end. Là, ça va être le déconfinement, donc profitez un maximum, changez-vous les idées, ne restez pas à la maison à vous morfondre. Vous en sentirez que mieux. Et la sixième chose que je pourrais vous conseiller, la sixième et dernière chose que je pourrais vous conseiller, bah c'est comme je disais précédemment, c'est prendre du temps pour vous, penser à vous et rien qu'à vous, c'est surtout important. Voilà. Faites des choses que vous aimez, c'est important aussi, pour c'est ce qui va vous aider à oublier les choses. Alors je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou sur cette chaîne, voilà les nouvelles, n'hésitez pas à la partager, plus on est de monde, plus on pourra s'entraider. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, des suggestions de vidéos que vous voulez que peut-être je parle. N'hésitez pas à la liker, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.